Et là, maintenant, nous allons parler de collector. Et je vous l'ai dit, hein, c'est un peu l'émission du sourire. Alors, en ce moment, Xbox, il propose une tonne de partenariats avec Adidas et consorts. Mais le dernier en date, c'est avec Nickelodeon. Et ça nous donne ça. Deux Xbox Series X complètement personnalisées. L'une aux couleurs de Bob l'éponge, et je le trouve objectivement complètement incroyable. Et l'autre, les tortues ninja. Alors c'est pas un photomontage, hein, c'est vraiment des consoles officielles. Hein. Il y a même un concours hein, sur le Xbox américain. Alors évidemment, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais alors, je vous remets quand même l'image un instant, parce que alors pour moi, autant les tortues ninja, oui, bon, autant le Bob l'éponge, je trouve qu'il est quand même assez incroyable, avec les petits bras sur le côté, avec sa tête complètement ahurie. Et alors, ce post officiel de Xbox m'aura permis de découvrir aussi que, dans l'histoire du jeu vidéo, je vous dis, hein, c'est une émission du sourire, hein, il y avait eu une manette GameCube Bob l'éponge, encore une fois, décidément, elle était complètement dingue. Non mais regardez, c'est une vraie manette hein, qui est sortie dans le commerce. Je trouve que on est à mi-chemin entre l'éponge et les mentales, avec ses petits yeux là, et ses petites quenottes. C'est un délire, mais véritablement. Comme quoi, dans la galaxie des collectors plus ou moins officiels, etc., il y aura eu des choses absolument mémorables, et ben je trouve que ça fait du bien. Voilà, pour commencer un petit peu cette émission, on se chauffe, hein, mais vous allez voir, hein, y a du lourd qui arrive quand on va parler de GTA 6. Bref. Eh ben, si vous êtes, en tout cas aux États-Unis, il y a ce concours hein, pour potentiellement gagner ces deux consoles collector. Vous me direz dans les coms, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les imaginez dans votre salon, là, Bob l'éponge ou les tortues ninja? C'est selon.